Nous avons jusqu'à présent dirigé notre attention plutôt sur des choix individuels. Nous allons aujourd'hui commencer à réfléchir sur les systèmes urbains. Pour bien comprendre un système urbain, il faut connaître à la fois les caractéristiques des centres urbains et leurs relations entre eux et avec le monde rural. En tout premier lieu, un système urbain est caractérisé par la distribution des villes et leur masse. Tout comme pour l'attraction urbaine, la masse est le plus souvent représentée par la population. De même que nous avions comparé l'intensité des rapports entre villes à l'attraction universelle, une certaine comparaison est possible entre un système urbain et un système planétaire comme le système solaire. L'analogie entre les systèmes planétaires et un système urbain est assez intéressante. Ne parle-t-on pas, par exemple, de villes satellites pour caractériser une ville qui tombe sous l'aire d'influence d'une plus grande ville? Le système solaire est composé d'un ensemble de corps célestes. Considérons les plus importants, le Soleil, les planètes et leurs satellites. Il y a le Soleil qui a une masse considérable par rapport aux autres corps. Il y a quelques grosses planètes, d'abord Jupiter, ensuite Saturne, Neptune et Uranus. Plus les planètes sont petites, plus elles sont nombreuses. Il en est de même pour les villes. Il y a peu de grandes villes et beaucoup de petites villes. Un linguiste du nom de George Kinsley Zipf a approfondi ce genre de distribution où les phénomènes de grandes amplitudes se rencontrent rarement et où les phénomènes de faible amplitude se rencontrent souvent. Dans ces distributions, il y a une grande différence de taille entre les plus gros éléments de la série et il y a peu de différence entre les plus petits éléments. Par exemple, il y a une énorme différence de taille entre le Soleil et Jupiter, une très grande différence entre Jupiter et Saturne, ainsi de suite. Zipf a empiriquement démontré que, dans ce genre de distribution, la taille est inversement proportionnelle au rang dans les proportions. La taille du corps de rang R est égale à C sur R exposant B, C et B étant des constantes. L'équation peut s'exprimer sous forme logarithmique, log MR égale à moins B log R plus log C. Dans le cas du système solaire, si l'on considère les 51 corps les plus importants et de masse connus, Soleil, planètes et satellites, et que l'on représente sur un graphique avec sur l'axe des X le logarithme du rang et sur l'axe des Y le logarithme de la masse, le nuage de points prend sensiblement la forme d'une droite de pente descendante, comme dans le modèle de Zipf. De nombreuses études empiriques démontrent qu'il existe une certaine régularité dans le rapport des populations des villes de système urbain. Zipf a étudié la distribution de la population des villes américaines selon leur rang. La ville la plus populeuse ayant le rang 1, celle qui vient après le rang 2, ainsi de suite. La distribution de la population des villes des États-Unis de 1790 à 1930 traduit une relation qui se précise plus on avance dans le temps. La population d'une ville de rang R est égale
à la population de la plus grande ville divisé par R. Ainsi, la ville de rang 2 a une population deux fois plus petite que celle de rang 1, la ville de rang 3 a une population trois fois plus petite que celle de rang 1, ainsi de suite. Il s'agit d'un cas particulier de la loi Rantaille que nous avons mentionné précédemment. PR égale C sur R exposant B. Dans ce cas précis, B égale 1. Alors, PR égale C sur R. Pour la population de la première ville, on aurait P1 égale C sur 1 égale C. Donc, dans ce cas, C égale la population de la plus grande ville. Et PR égale P1 sur R. La population d'une ville de rang R est égale à la population de la plus grande ville divisée par R. C'est la loi Rantaille de Zipf. Cette forme simplifiée est parfois prise comme l'agencement idéal auquel devrait tendre tout système urbain. Cependant, comme il s'agit d'une forme empirique, la conclusion est abusive. En effet, tous les systèmes urbains n'ont pas la même charge historique et chaque société a ses ressources et ses caractéristiques propres, auxquelles on ne peut pas toujours affecter une valeur. Par exemple, le Japon ne peut pas servir globalement de modèle pour l'Australie et vice-versa. Bien qu'ils aient chacun leur spécificité, pratiquement tous les systèmes urbains de tous les pays se rapprochent de l'équation PR égale C sur R exposant B ou sous forme logarithmique, log PR égale moins log R plus log C. On peut chercher à savoir ce qui rapproche les systèmes urbains qui ont des coefficients similaires. On peut aussi chercher à savoir ce qui différencie les systèmes urbains de coefficients dissemblables. Dans la plupart des cas, B se rapproche effectivement de 1. C'est le cas, comme déjà mentionné, des États-Unis. B égale 1,1. C'est aussi le cas de la France, avec B égale 0,96. Du Canada, B égale 1,2. Du Brésil, B égale 0,8. Et de Cuba, avec B égale 1,1. Dans tous ces cas, on admet que la distribution Rantaille des systèmes urbains suit la loi de Zipf. L'un des intérêts de la loi Rantaille est de permettre d'identifier des irrégularités dans la distribution des villes dans un système urbain. Dans le cas d'Haïti, la première observation faite à partir des données est l'écart entre la population de Port-au-Prince de plus de 2 millions d'habitants et celle du Cap-Haïtien de 245 000 habitants. Le rapport est loin de celui de 2 pour 1. Port-au-Prince est près de 9 fois plus populeux que le Cap. Un écart aussi grand porte à questionner la concentration de la majeure partie des ressources du pays à la capitale. Non seulement Port-au-Prince a 9 fois la population du Cap, la seconde ville du pays, mais la majorité des services étatiques y sont concentrés, ainsi que la majorité des emplois industriels. Il est légitime de douter que ça soit dans l'intérêt général. L'examen de la distribution permet aussi de procéder à un regroupement des villes par niveau. Port-au-Prince se retrouve évidemment seul. Le Cap-Haïtien et Gonaïves
ont une population d'environ 250 000 habitants chacun. Ils constituent le groupe de villes de deuxième niveau. Un troisième groupe de villes a des populations entre 58 000 et 122 000 habitants. Un quatrième groupe se situe dans l'intervalle de 26 000 à 48 000 habitants. Enfin, un dernier groupe est constitué de villes de moins de 22 000 habitants. Chacun de ces niveaux est séparé par un écart notable qui constitue une irrégularité dans la distribution de la loi Rentaille, ce qui permet de les regrouper.